Alors, je vais te montrer un petit effet. Alors, sûrement que tu connais, mais pour ceux qui connaissent cet effet-là, ce fameux tour-là qu'on vend à la base, qui se vend pour les enfants, ça n'a pas été créé pour les enfants. Regardez la vidéo jusqu'au bout, parce qu'avec les autres modèles antérieurs, donc pas cher, on ne pouvait pas faire ces routines-là. C'est des vieilles routines, mais qui sont vraiment très, très, très intéressantes avec ce nouveau étui qu'on a reçu. Et je vais vous faire part de la routine, une petite routine du moins, je vais en faire une seule, mais il y a maintes et maintes choses à faire avec ça. Je peux te demander ton aide? Ouais. Puisque en même temps, tu es en stage chez nous, j'en profite pour te faire le tour. Ça Tiens, je vais marche. te demander d'examiner d'abord les cartes, très important. Elles sont toutes différentes. Ça, c'est bon. Oui, impeccable. Je vais les mélanger. Ah, c'est pas grave, au moins comme ça on verra qu'il n'y a pas de trucage. Hop, très bien. Je vais les mélanger. Et ce que je vais te demander, c'est de me dire stop sur une carte, celle que tu as envie. Ou alors, tiens, je vais les défiler. Quand tu veux, tu me dis stop. Stop ici. Ouais. Tiens, tu prends la carte, tu la regardes. C'est bon? Ouais. Je vais remettre ça à l'intérieur. Et avant de faire quoi que ce soit, tiens, pose là ici. Hop. Je vais mettre une petite pastille ici. Tac. D'accord. Alors d'abord je veux pas voir. Est-ce que tu montes là la caméra? Moi je veux pas voir. C'est bon? Ça y est. Impeccable? Ouais. C'est bon? Voilà. Est-ce que pour la... Bon, de toute façon, j'allais dire j'aurais pu même la voir puisqu'il n'y a aucun intérêt, mais c'est pas grave. C'était quoi le nom de ta carte? 6 de carreau. C'est vrai? Ouais. Donc est-ce que je peux maintenant la voir pour être sûr? Bien, c'est de carreau. On va noter ces deux carreaux, au moins comme ça, si tu t'en souviens plus, on s'en souviendra ici. Ça marche. Hop, 6 de carreau. Ok? Et l'idée est la suivante. J'aurais pu retrouver ta carte magiquement. J'aurais pu essayer de la deviner. Là, c'est simple, tu me l'as dit. Mais on va faire beaucoup plus fort parce que si je remets ta carte, ton 6 de carreau comme ça, juste à l'intérieur, et que je referme, tout ça va être mis à l'intérieur. Donc les 52 cartes. Plus ta carte. Je vais vraiment ralentir tout ça à l'intérieur. Et ce qui est assez étonnant, donc on peut voir le jeu, mais ce qui est fou, c'est que je t'ai dit qu'on pouvait retrouver la carte magiquement. Ouais. Mais magiquement, ça donne ça. Bien, 1, 2, 3. Tu as vu quelque chose? Non. En fait, il s'est rien passé. Tu vas imaginer que les 52 cartes disparaissent. Ça marche. Et juste la seule et unique carte qui va rester, c'est la tienne. 1, 2, 3. Ça va vite, hein? Excellent. Ça va vraiment vite. Juste une seule et unique carte, ton 6 de carreau. Bizarre. Génial. Bizarre, bizarre. Belle Donc le fameux étui à disparition, mais ça nous permet de faire cette routine-là. Voilà. En plus, il Et... est en plastique, Ouais. très bonne Il est qualité, en c'est ça? plastique, c'est de très bonne qualité. Ça nous permet forcément donc, de mettre une carte à l'intérieur, ce qui est l'intérêt, alors que les autres ne passaient pas. Et je vais te montrer une autre routine qui se fait avec ça. Ça Allez, marche. à tout à l'heure.